Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Si on jouait, où pour une fois je vais vous faire travailler. J'en ai un peu assez de vous faire des vidéos, c'est toujours moi qui bosse. Donc là on va dire que c'est vous qui allez bosser et je vais vous demander de vous amuser avec cette photo là. Et ce qu'on va faire après, vous allez m'envoyer ce que vous aurez fait et je vais faire une vidéo qui va montrer à tout le monde ce que vous avez fait. Alors, comme ça, on pourra analyser les techniques de chacun, ce qui a été oublié, ce qui aurait pu être fait mieux. Donc, toujours dans une optique, évidemment, de partage pour que tout le monde s'améliore sur Lightroom. Alors, je vais vous proposer cette photo-là, qui est une chapelle prise en Irlande. C'est une photo qui est en RAW. Elle a fort potentiel de post-traitement, croyez-moi. Et donc, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Vous pouvez faire du noir et blanc, vous pouvez faire de la couleur, c'est vous qui déciderez. Mais ce qui est important, c'est comment vous allez m'envoyer le résultat de votre travail. C'est simple. Vous allez créer un preset de développement. Donc, vous allez faire votre développement. D'accord ? Donc, je sais pas, moi, voilà, le contraste, les hautes lumières, vous faites un peu ce que vous voulez. Là, c'est affreusement laid, mais imaginons, hein, c'est juste pour montrer... Voilà, et éventuellement, vous pouvez même rajouter un petit filtre radial ici au milieu avec l'exposition. Ok, pour faire croire qu'il y a le soleil qui tape dessus. Pourquoi pas ? C'est très moche, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer ce que vous allez faire après. Après, vous allez créer un paramètre prédéfini. Donc, vous voyez ici, dans les paramètres prédéfinis, vous allez faire « plus ». Ici, vous allez choisir « tout ». Tout sélectionné, vous allez le mettre à un endroit, je sais pas, paramètre prédéfini par l'utilisateur, pourquoi pas, on va l'appeler essai pour le jeu de photo, ok, créer, et donc là vous voyez que j'ai essai pour le jeu de photo. Donc si je fais réinitialiser et que je reprends ici, vous voyez que je me retrouve avec le développement. Donc, ce que je vais vous demander de m'envoyer, c'est ça. Alors, comment vous allez me l'envoyer? C'est assez simple. Vous faites un clic droit dessus, ici. Vous allez faire « Exporter ». Vous allez le mettre dans le répertoire où vous voulez. Là, je suis sur F, Formation, ici, on jouait. Mais ça, vous le mettez un peu où vous voulez. Vous lui donnez un nom. Toto, très bien. Et vous faites « Enregistrer ». Maintenant, si je vais voir dans l'explorateur où est mon fichier... Et donc, le fichier a été mis à l'endroit où j'avais demandé, hein, et c'est ce fichier-là que vous allez m'envoyer. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma photo, je vais prendre vos paramètres de développement, je vais les importer dans mon Lightroom, et puis je vais simplement les appliquer. Comme ça, je verrai exactement ce que vous avez fait, toutes les retouches que vous avez faites, partout où vous êtes allé dans le module de développement, et ça me permettra de montrer à tout le monde le travail que vous avez effectué, comme ça, on pourra échanger un peu les différentes techniques. Pour m'envoyer ce truc-là, c'est simple, hein, par mail, wiwiphoto@gmail.com, ça marchera très bien, et que le fichier est tout petit, donc il n'y aura aucun problème pour m'envoyer tout ça. Et une fois que j'en aurai reçu quelques-uns, ben, je ferai une vidéo qui montrera ce que vous avez fait pour que les autres puissent en profiter. Voilà, merci.